Yo les potes, je vais vous raconter une histoire. Ce matin, j'étais tranquille en train de chill sur GTA. J'étais en train de faire mes petites courses, vous voyez, j'étais plutôt dans une atmosphère de bonheur. Et je me suis dit, tiens, je vais m'acheter plein de trucs. Alors, j'ai commencé à m'acheter plein de trucs. Et puis, j'ai voulu aussi m'acheter le truc pour les drones dans la salle d'arcade, là. Ok? Donc, j'ai commencé à faire mumuse un petit peu avec les drones et tout. Franchement, bonne journée qui commençait vachement bien, tu vois. J'étais là, je m'amuse et tout. Je me dis, tiens, on va les tester et tout. Je me suis rendu compte qu'avec les drones, il n'y avait pas de distance max. Donc, du coup, je me suis amusé, quoi. Chill. Oh! J'ai rempli deux garages de véhicules. J'étais trop heureux, comme vous avez entendu. J'ai rempli deux garages de véhicules. J'ai acheté plein de trucs. J'étais trop heureux. J'ai même fait mes muses avec la Batmobile. Je suis même retourné faire le con avec le drone. Quand un petit Kikou en MK2 a décidé de me faire péter. Quoi, il vient m'embêter lui. Alors, la rage a commencé à monter doucement. Hein. Je me suis dit, tiens, je vais le PVP puisque monsieur veut m'embêter. Je peux pas être en sécure au serve, frère. Je rage un peu. Mais putain, je peux pas être en sécurité serve. À ce moment-là, je me rendais pas vraiment compte que c'était un modder. Puisque le mec il meurt. Donc les modders, généralement, ça se met en god mode. Comment il a fait ça, putain? Putain, vous commencez à... vous commencez sérieusement. Il a quitté. Casse-toi, tu pues. Hein. Putain, il commence déjà à me casser les... Ça fait une heure, je suis sur GTA, je suis tranquille, j'ai tué personne. Il y a toujours des mecs qui sont là pour casser les bonbons. Reviens me voir quand t'as du skill, toi. Voilà. C'est bien, t'es nul. Voilà. L'autre, il arrache quitte, alors je vais passer mes nerfs sur toi. Voilà. Ça, c'est Damek qui revient. Voilà, Damek est revenu parce qu'il y a le bug des sessions, donc il peut pas changer de session. Donc Mister est revenu me faire chier, sauf que à ce moment-là précis, je l'ai humilié. Allez, voilà, ça c'était un gros... Lui, c'est un gros cancer, lui. J'étais tranquille, j'étais peinard. Voilà. J'ai fait péter sa MK2. Il y a le bug du changement de session, espèce d'idiot, tu peux rien faire. Et il a pas du tout kiffé, en fait. Ah. Mais c'est un modder lui, qu'est-ce qu'il vient de me faire? C'est quoi cette multi-explosion là? Hop! Start! Invisible! Voilà, God Mode okay, activé. Son God Mode. Et malheureusement pour les joueurs qui étaient connectés ce matin sur GTA Online, ce n'était que le début. Et Damek a quitté la partie. Et ben lui, tu vas être ma cible toute la journée, frère. Je vais prendre 8 heures s'il faut, mais je vais te... Je vais te montrer. De toute façon, il y a le bug du changement de session. Donc voilà. Voilà. J'ai commencé ma petite enquête. Et je me suis rendu compte que déjà, il avait mis son profil en privé. Hein. Impossible de savoir quoi que ce soit sur cet individu. Dame 4 IKS. Et tellement il est nul, il assume pas. Regarde-moi ça. Ok, regarde, t'as vu? Ok. Ok, les gars. Ok, Dame 4 IKS, ça va être vite réglé. C'est là que tout commence, les potes. J'ai essayé de le rejoindre dans sa session. Parfois, tu peux pas. J'ai mis du temps à redémarrer mon jeu. Et ce que je vais découvrir quand je vais réussir à aller dans sa session, c'est scandaleux, les potes. On va s'en occuper personnellement. J'étais prêt à me venger avec mon mode menu. J'espère que t'es là. Dame 4 IKS. On active tout de suite les protections. J'ai mis le God Mode. Et puis maintenant, je vais aller le voir. Au moment où j'allais me téléporter sur lui, regardez la map, hop, il a disparu. Ah ouais? Ok, monsieur se cache. J'avais des gouttes de sueur qui commençaient à couler le long de mon corps. J'étais potentiellement avec un grand hacker de GTA. Et mes doutes allaient bientôt se confirmer. Il m'a envoyé un spam de notification qui a fait totalement crash mon jeu. Ok. Je commence à savourer le goût de la PLS. Ok, frère. Ok, il m'a envoyé plein de notifs pour faire crash mon jeu. Et ben, je vais revenir, c'est pas grave. Je vais pas me téléporter, je vais juste le faire crash. Si Rockstar voit cette vidéo, j'aimerais bien que vous fassiez quelque chose, les gars. Je voulais faire une vidéo legit, frère, et je me retrouve à faire des vidéos genre Revenge de Modder mes couilles, là. On sent la rage dans ma voix. C'est passionnant, les gars, vous avez vu GTA Online ?
J'avais passé un mauvais moment sur Rocket League. C'est lui qui est venu me faire chier. Hein. J'étais chill devant ma petite boutique de fringues, là. J'allais acheter mes nouvelles baskets. Hop, le mec en MK2, qui n'a honte de rien, qui active son God Mode. Non, mais alors lui, non, mais les gars, non, mais s'il vous plaît, mais Rockstar, mais... Ah, une erreur, il a échappé belle. J'ai une dernière tentative. Je me suis réveillé tôt aujourd'hui et j'étais de bonne humeur. Mais sur Rocket League, je me suis rapidement fait insulter ma mère. Alors je suis allé sur CSGO et je suis tombé sur des wallhackers qui insultaient aussi ma mère. C'est quoi ce boom là? Il est en train de me hacker mon PC là ou quoi? Oh là là, il est en train de faire péter toute la session. Info sûre. Alors j'étais arrêté ma bouffée d'air fraîche dans la matinée, voilà, tu vois. Automatiquement spam d'invite. Ouais, bah on peut rien faire contre lui. Après avoir dégusté ce sentiment de rage, je découvrais encore le sentiment d'impuissance. Regardez ce qu'il fait les frères. C'est lui là, Dame Case. J'ai mis pas loin d'une demi-heure à rejoindre sa session et donc pendant une demi-heure, il a fait péter tous les joueurs dans un appartement. Je le kick. Dégage. Il a un auto-kick. Putain, j'ai jamais vu ça. Ce Kiku n'a pas supporté que je le kill sur sa MK2, alors pendant des heures et des heures, il allait tout simplement exploser tout le monde. Frère, Rockstar. Putain. J'ai réussi à le kick. Oh putain, je l'ai kick. Je crois. Mais il va revenir parce qu'il y a le bug des sessions, putain. Ouais, non, mais tu sais quoi, non, mais en fait, tu sais quoi, moi je crois que je vais... C'est quoi les gars, je crois que je vais retourner sur GTA RP moi, c'est bon. Moi je vais retourner sur GTA RP. Malgré mes tentatives, je n'arrivais pas à l'expulser définitivement dans la session. Je sentais la noirceur envahir mon cœur. Putain mais c'est une honte absolue ce mec. Vous avez vu? Le mec il a pas supporté de mourir deux fois. God mode, il me dégage, il me fait crash mon jeu. Et derrière il met tous les joueurs dans un appartement et il les fait exploser en boucle. À un moment donné, Rockstar, il faut faire quoi pour que ça s'arrête, ça? T'es un mode menu. Mais mec, avec mon mode menu, j'ai jamais fait ça. J'ai jamais mis tous les joueurs dans un appart pour les faire péter pendant une demi-heure jusqu'à ce qu'ils aient envie de casser leur ordi, putain. Faut toujours être encore plus enculé que les enculés, quoi. C'est terrible. Non, mais y a rien à faire. Je sais que la seule solution, c'est qu'il faut que je trace ma route. Hein. Là, et puis, je vais vous révéler une information importante sur les nouveaux modders sur GTA Online. Ouais. Vous savez que j'ai un pote, vous le connaissez, Scanny. Scanny, c'est un pote, il m'a dit qu'il avait détecté, parce que lui s'y connaît grave en informatique, il m'a dit qu'il y avait des joueurs qui utilisaient un double mode menu sur le online. Parce que moi j'ai un mode menu que j'active soit pour faire le con, soit pour me défendre. Et il m'a dit qu'il y en a, ils ont un double mode menu, c'est-à-dire que pour contrer mon mode menu, ils ont un mode menu spécial contre mon mode menu quoi. Donc là ça veut dire que moi si je veux contrer le truc, les modders, il faut que j'aie un double mode menu et que je branche mon deuxième ordi avec un autre mode menu. Franchement Rockstar, c'est pas comme ça qu'on a envie de jouer à GTA Online, franchement. J'ai pas envie de jouer là. Moi je vous fais de la pub depuis 7 ans là. J'ai plus envie de jouer là. Là je vais aller. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux que je dise qu'il fait beau à Saint-Pétersbourg, frère? Le mec il a triple mode menu, voilà, c'est lui le king. C'est lui le king hein. Il fait ce qu'il veut hein. Voilà, il est encore en train de faire péter tout le monde, on a entendu le même son que tout à l'heure. Voilà, bon, écoutez, je sais pas, moi je vais peut-être aller sur Minecraft, peut-être changer de jeu. C'est quoi après ça, ça me donne envie de donner de l'argent à des gens gratuitement. Voilà, ramasse bien. Bon voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo un petit peu spéciale. Hein. D'habitude je vous propose du gameplay ou quoi. Puis voilà quoi, moi j'ai... C'est vrai que je disais j'achèterais pas GTA 5 sur PS5, c'est vrai. Mais si c'est pour avoir un jeu plus fluide et sans hacker, on lui a déjà donné 100 000 $. Donc je vais laisser tourner mon petit jeu tranquille. Et puis moi je vais aller me détendre un petit peu là. Je vais faire autre chose et je vais laisser le jeu tourner comme ça. Il se prend sa petite thune tranquille. Voilà les potes, au moins il y aura eu des malheureux, mais il y aura eu un heureux quand même dans l'histoire. On va ralentir.